attendu, mon gars. Ça te dirait une déesse Premios? Je suis déjà venu. Je me souviens pas de toi. Parce que je suis pas passé par devant. Tu sais que t'es marrant. Pas d'enregistrement, pas de tripotage dans le dos des videurs. Amuse-toi bien, mon gars. Bienvenue, Olysis. T'es à croquer, toi. Pareil qu'il l'a déjà largué. Ça dépend de ce qui tranche. Hé, hey, la même chose. Et pas dans 10 ans. Salut. Qu'est-ce que ce sera? Je cherche Evelyn Parker. Tu sais si elle est là? Qui la demande? Quelqu'un qui donne de généreux pourboires. J'apprécie le geste, crois-moi. Mais on ne paie pas pour parler. Tout va bien, Matteo. Je l'attendais. Evelyn Parker. Je suis que c'était toi à la minute où t'es entrée. De la Senzone? La seule tequila que je bois. Mais comment vous avez su? J'aime tout savoir sur les gens avec qui je travaille. Ça, ou alors peut-être que j'ai deviné. Pourquoi on se rencontre ici? En fait, j'ai pas l'impression que ce soit votre genre. Je vais prendre ça comme un compliment. Bien. Il y a un endroit où on pourra parler sans craindre les oreilles indiscrètes. On va au salon, Matteo. Alors, qu'est-ce qu'une fille chaude comme moi peut faire? Rien, c'est juste toi. Pourquoi tu me dis pas la vérité? Je viens de te le dire. Des bougies? Dex en avait des choses à dire sur toi. Et digne de confiance. J'espère qu'il n'exagérait pas tes qualités. Vous en avez rien à foutre de l'avis de Dex. Tu as du mal à accepter les compliments. Non, mais la flatterie, c'est pas digne de vous. C'est peut-être Dex qui n'est pas digne de toi. Vous écrivez la biographie de Dex? Désolé de vous décevoir. Je sais pas grand-chose. Autrement dit, vous vous connaissez à peine. Ok. Allons droit au but. Alors, ta cible. Je suppose que tu sais de quoi il s'agit. La relique. Un gadget du programme Protéger votre âme. C'est Arasaka qu'on vise. Arasaka a investi des milliards dans la technologie de transfert de personnalité. La puce se trouve actuellement à l'hôtel Konpeki Plaza. Arasaka se débrouille bien avec cette chaîne d'hôtels, mais je dois dire... Pourtant, les deux sont identiques. Japon égale personnel japonais. Le service est imbattable. C'est vrai. Y a pas à discuter sur ce point. Bon, cette puce, elle est planquée où, au juste? Dans une suite au dernier étage. La chambre est occupée par Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? On ne parle que de ça dans toute la ville. Tu ignorais que le dernier fils vivant de Saburo Arasaka, l'héritier probable de l'Empire Arasaka, était ici? Quoi? L'empereur se prépare enfin à céder son trône après 150 ans? Il n'y a qu'une poignée de gens à Night City qui connaissent les véritables projets des Arasaka. Vous allez me dire que vous en faites partie? Écoutez, si vous avez d'autres atouts dans votre manche, c'est le moment de les sortir. C'est là que ça devient croustillant. Et maintenant, tu le vois, mon atout? Où il faut acheter des optiques. Donc, aucune protection à Arasaka sur la puce, parce que Yorinobu l'a piqué en douce. Sûrement dans un conteneur spécial, censé reproduire un environnement neuronal organique. Et elle est où, cette mallette? Tu le sauras bien assez tôt, si on arrête un peu de parler de la famille Arasaka. Ok. Et maintenant? Maintenant, on passe au meilleur. Suis-moi. J'ai quelque chose qui devrait t'aider à planifier ton coup.
Une danse sensorielle au Konpeki Plaza. Et comment c'est censé m'aider? J'ai besoin d'infos, pas de sensations. Tu crois qu'une déesse ne sert qu'à tripoter des nibars virtuels en s'astiquant dans un box? Non. C'est un peu... Ça peut aussi être un outil très utile pour analyser des détails qui échappent à la perception humaine, même améliorée. Exactement ce qu'il te faut. Il y a quoi sur cet enregistrement? La suite de Yorinobu, dans toute sa splendeur. Tu vas devoir localiser la relique toi-même. J'espère que j'ai enregistré assez de détails pour que tu puisses y arriver. Une minute. C'est vous qui avez enregistré ça? J'ai un implant d'enregistrement de DS. Non, pas du tout. Voyons cette danse sensorielle. Judy va nous aider. C'est aussi une Mox. Et je la connais depuis... des années. V, un détail important. Judy a toujours été là pour moi. Mais oublie pas, c'est une Mox. Alors sois gentil. Marche sur des œufs et tiens ta langue. Relax, ça vous surprendra peut-être, mais je sais me tenir. Dans le privé, comme en affaires. Ah, vous voilà. Je présente V. Il est là pour la déesse. Ça va, arrête. Tu vas... Rempli de signaux sensoriels, moniteur d'ondes acoustiques et émotionnelles... Presque tout a été personnalisé. T'as tout modé toi-même? Qu'est-ce que t'en dis? Ce traducteur d'expression, c'est un Fuyutsuki, c'est ça? Elle l'était, mais c'est facile de remplacer une matrice. Ouais, désolé. J'ai compilé ta DS, Eve. Alors, tu crois que ça va aller? C'est encore assez brut, mais ouais. L'essentiel, c'est que V puisse s'immerger en profondeur. Ok, on va calibrer ça et l'ajuster pour lui. J'ai vu bien pire, crois-moi. Alors on laisse V plonger. Pour qu'il jette un œil. T'en dis quoi, V? Je devrais tenir le coup. C'est parti. Allez, pose-toi. Installe-toi bien et on va commencer. D'abord, je dois créer ton profil sensoriel. Ok, vas-y. Non, pas cette fois. Allez, ne bouge plus, regarde-moi. Je vais lancer le logiciel d'analyse. Bien, maintenant, on va régler l'optique et les autres signaux sensoriels. Regarde droit dans ces deux écrans, comme pour un examen de la vue. Je vais devoir refaire tout ce calibrage à chaque fois? Pas nécessairement. Encore une seconde, je dois intégrer les limiteurs de nocicepteurs. Voilà. C'est prêt. On doit déjà tester ton profil. Je te balance un échantillon de DS. Utilise-le pour te familiariser avec l'éditeur. Bon, voyons voir. Où est-ce qu'on pourrait... On peut pas utiliser mon enregistrement? Pourquoi on perd tout ce temps? Pour pas prendre de risques. En plus, ce sera pas long. J'ai trouvé un truc. Ça sera parfait, je pense. Vas-y, envoie. Je vais te faire... Attention, tu plonges dans le noir. Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. T'entres, tu piques le cash, tu ressors et on vend la DS à ces psychos du studio. C'est bon, pigé. Et oublie pas, t'y vas à fond. Ils nous fileront une rallonge pour un bon boost d'adrénaline. Allez, vas-y. Couchez-vous! Face contre terre! Je veux vous voir lécher le sol! Le fric, vite! Je te jure que je te bute! Oui, je vais... Allez, avant que je t'explose ta putain de tête! Ah!
Doucement, respire à fond. T'as eu un pic de cortisol et d'adrénaline, mais... C'était... trop intense. J'ai senti... J'ai ressenti la douleur de ce Zig, son stress, de l'espoir. De l'espoir mélangé à autre chose. Mm-hmm. Il a probablement pris un booster juste avant. Tu vas survivre. Bon, tout est calibré. On va pouvoir passer en mode édition. Je vais te déconnecter de la matrice sensorielle du filmeur de DS. Tu pourras regarder ce que tu veux. Toute la scène est à toi. En mode analyse, tu contrôles entièrement la caméra. Tu peux te déplacer, régler le zoom et tout ce que tu veux. C'est comme si t'avais ton propre terrain de jeu. En mode analyse, tu contrôles la lecture. Tu peux même mettre en pause si t'as besoin. Et après, t'affiches la console bon, pour relancer le la plan lecture. Est simple. Vas-y. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. T'entres, tu piques le cash, tu ressors et on vend la DS à cette psycho du studio. C'est bon, figé. C'est Nova, non? Eh ben, c'est pas tout. Tu peux aussi accélérer ou rembobiner quand tu veux. Vas-y, essaie. Tu m'en fais... Rembobine jusqu'au tout début. Oui, du tuto, qui se fait ça, c'est... Alors, mon micro, son chat, il est une pointe. Vas-y, bien, super. Maintenant, essaie l'avance rapide. Bon, le plan est simple. Tu verras bizarre, t'avances pas. Non, tu piques le cache, tu le protèges. Ok. Tu peux aussi réinitialiser l'enregistrement, pour revenir tout au début. Vas-y, essaie. Maintenant, on va s'éclater avec ce qui est la raison de ta présence ici. En mode analyse, tu peux voir et même scanner les détails de l'environ enregistré par le filmeur de DS. Concentre-toi sur l'arme que le pote de Spomar lui a donnée au début. Maintenant, scanne-la. Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'avances pas. Non, tu piques le cache, tu ressors, et moi, j'ai des potes. Ils nous fileront une rallonge pour un bon boost d'adrénaline. Allez. Voilà, juste là. Excellent. On passe à la suite. Maintenant, écoute bien. En mode analyse, tu peux extraire des conversations et des bruits de fond, si le filmeur était assez près. Cette tech enregistre tout, dans le moindre détail. Même les images et les bruits dont le filmeur n'avait pas conscience. Pour voir les sources des signaux sensoriels enregistrés, bascule sur la couche audio dans l'éditeur. Vas-y, essaie. Parfait. Maintenant, tu devrais voir plusieurs signatures sonores dans le magasin. Choisis-en une et concentre-toi dessus. Une caisse de Brodef et deux appels. Ok. On a deux goûts en promo aujourd'hui. Curry et... Couchez-vous! Fasse retour! Alors, t'en dis quoi? C'est incroyable. Sérieux, on aurait dit que ça se passait à côté de moi. C'est comme ça que les implants d'enregistrement de DS fonctionnent. Ils captent tout, tous les éléments de fond. Puis l'éditeur les affine pour les rendre perceptibles. Continue de jouer avec les sons, explore un peu. Quand on aura marre, on passera à la suite. Je veux voir les chiens sales. Je te jure, je te jure. Dans la DS brute, tu peux parfois analyser des couches en plus, des choses enregistrées par le matos cybernétique du filmeur. Comme quoi? Eve utilise une optique Kiroshi qui capte l'infrarouge. Donc dans son enregistrement, tu devrais pouvoir isoler les signatures thermiques. Terrible. Le scan marche aussi sur les gens. Approche-toi de cette nana blessée. Essaie de l'analyser. Allez, on passe à la suite. Avance jusqu'au moment où notre artiste se fait plomber le cul. Avant que je t'explose ta putain de tête! T'as vu ça? Il s'est fait abattre et il a rien vu venir. Ce qui sera pas ton cas. Et là, on en arrive à ce que je préfère. Tu vois ce truc qui clignote au-dessus de l'entrée? Caméra de surveillance. Elle a dû filmer le tireur. Tu verras dans une seconde. L'image arrive sur l'écran, derrière le vendeur. Retourne au moment où l'écran est dans le champ de vision du gamin. Et scanne-le. Son propre Chumba l'a buté. Il avait sûrement préparé son coup. Une déesse dans ce genre, ça doit rapporter un paquet au marché noir. Un type refroidi en live, les fans de DS sont prêts à payer Ruby pour ça.
Voilà, si t'en as vu assez, tu peux quitter. Allez, tiens, fais chier! Va remplir le rayon, je m'occupe de la caisse. Elle va plutôt te faire enculer, ouais. Impressionnant, non? Enfin bref, t'es prêt à mater ton enregistrement? Je sais pas. V, on n'a pas le temps. Ok. Ok. Wow, une minute, qui? Si, justement, c'est un problème. Relax, Judy. Tout va bien se passer. T'as pas l'air de bien comprendre les risques que j'ai pris en te laissant entrer ici. On prend tous des risques sur ce coup. Judy, s'il te plaît. Ok, appelle-la, qu'on en finisse. Salut V, quoi de neuf? Bug, j'ai obtenu un enregistrement utile du Konpeki Plaza. Le Konpeki? Oh, je m'en doutais. T'es avec quelqu'un? Aucune importance, Bug. Concentre-toi, j'ai besoin de ton aide. Je sais absolument pas ce que je vais devoir chercher une fois dedans. D'accord, je vais voir si je peux te guider. Je me branche à ta tech. Faut que tu me donnes l'accès. J'ouvre le port 1779. Maintenant. Millisecondes. Ok, connexion confirmée. Un coup de glace temporaire rapide et... c'est tout bon. Prête à danser. Envoie la déesse, Judy. Ok, V, on se concentre. Il faut qu'on trouve où Yorinobu garde cette relique. Le micro-logiciel d'alarme est récent, mais j'ai entendu des petits malins sur un forum. Ce serait une vraie passoire à donner. Je vais générer des clés, je peux contrefaire leur signature. Merde, des caméras bourrées de nouvelles techs. Capteur de mouvement, activateur de signature thermique, IFF. T'arriveras à tout neutraliser? Avec mon talent? Facile. Je dois juste accéder à leur sous-réseau. J'ai dit non, je vais laisser ma tête. La vraie est grosse. J'entends un ronronnement. Ventilation et clim. Sûrement des serveurs. Faut bien contrôler les gadgets qu'il y a ici. Mets-toi à l'aise. Je n'en ai plus que pour une nuit. Que pour une nuit. Tu devrais écouter cette conversation, V. Ça pourrait être important. Le programme est encore en phase de test. Nous ne pouvons pas le commercialiser en l'état. Nous avons bien pris. Je vous en prie, parlez-en, votre père. Il a suivi ce projet très près. Mon père vous explique qu'il est risque de... fatigué, qui croit rien de changer. Et qu'il pourra vivre éternellement dans un... Je ne devrais même pas écouter ces choses. Vous allez écouter ça. Sabot est un despot qui a l'effet. C'est de la réalité. Piégé dans une vision qui n'existe plus. Un monde qui n'a peut-être jamais vu. Lui et moi. D'accord, depuis près de 20 ans. Et ce n'est pas vrai. Lisez attentivement la documentation. Relique a besoin de conditions de stockage particulières. T'as entendu? La doc de la relique doit se trouver dans le coin. Cherche-la. Tout. Désolé pour l'attente. Les affaires. C'est pas pour une. Tiens. Tendu. Ça me passera dans un moment. Je peux pas venir. Tu m'en dis, tu vas me dire.
Tourelle automatique, scanner dernier cri, système tous reliés au serveur. Tu peux les couper ? De l'extérieur, impossible. Faut que j'entre. Je dois d'abord vérifier leur connexion au système. Apparemment, tous leurs systèmes de sécurité sont connectés au sous-réseau de l'hôtel. On a besoin du flathead. Il n'y a pas d'autre moyen de couper ces systèmes. On peut pas les contourner nous-mêmes ? Non. Je sèche sur ce coup. Il traîne. Des friandises. Sinon, il fait des rires. Et ce n'est pas prêt de changer. Lisez attentivement la documentation. La relique a besoin de conditions de stockage particulières. Until you've learned the meaning, the meaning, the meaning of your... Le manuel décrit un conteneur thermorégulé spécial. La relique doit être stockée dans un endroit très froid. Alors, la puce doit rester au congélo. Ouais, autrement elle pourrait se détériorer. Ok, active la détection thermique dans l'éditeur. On devrait repérer plus facilement où Yorinobu garde la puce. Chargé, mais il y a le cran de sûreté. C'est bon à savoir. Une fois sur place, faudra pas oublier que ce crasher est là. Air conditionné, un modèle standard pour les hôtels de ce standing. La température est bien celle indiquée dans la doc. Mais la puce peut pas être planquée là. Trop risqué. Les variations thermiques pourraient l'endommager. Oh, du Donagi. On dirait que Monsieur Arasaka avait quelque chose à fêter. Tu pensais vraiment trouver la puce là-dedans? Ça risque pas. La température est trop basse et pourrait varier, mais bien tenté. Juste un frigo high-tech. La température correspond pas à la doc, tu trouveras rien là-dedans. Bien, je capte la signature thermique. Ses caractéristiques correspondent à la doc. La mallette de Yorinobu est là. Aucun doute. On l'a. Bien joué. On dirait qu'on a tout ce qu'il nous faut. Tu peux quitter l'éditeur. T'as tout ce qu'il te faut ? Ouais, ça va le faire. Merci, Judy. C'est bon. À plus, T-Bug. T'as fait du bon boulot. À plus. Je vais effacer le cache et tes données. L'agresseur a attaqué le maire lors d'une conférence de presse, mais il a pu être neutralisé par l'inspecteur Riverwood. Soit trop tard. Qualifié de super flic... Garde-le. Je vais mettre ça sur le... C'est un appareil portatif de gestion de DS. J'ai chargé tes paramètres de calibrage dessus. C'est moins sophistiqué que notre matos, mais ça devrait faire l'affaire. Et ça t'évite les ennuis. Après l'attaque,
En parlant d'ennui, vous savez à quoi vous me faites penser? Vous me faites penser à deux morts en sursis. On avait besoin de cet enregistrement, Judy. Avec la déesse, le boulot est presque déjà fait. Cette déesse va nous faire buter. Si Arasaka apprend que vous l'avez, vous êtes mort. Et moi aussi. Judy, détends-toi. Personne n'en saura rien. Evelyn, je t'en prie. Pas de risque inutile. À ce petit jeu-là, cette ville gagne toujours. Je le saurai. Et j'ai encore des choses à te dire. Viens avec moi. Alors, t'en dis quoi? Bon, et maintenant? V, fais ce travail pour moi. Rien que pour moi, je veux dire. Sans Dex. Si j'accepte, je le paierai cher. C'est garanti. Je sais. Quoi que tu décides, ça restera entre nous. Je peux t'offrir 50%. Assez dédié pour mener la vie dont tu rêves. Je serai grillé dans cette ville. Dex n'est pas le seul fixeur de la ville. Je vais y réfléchir. En cas de besoin, appelle-moi. Ok. Bonne chance. Allez, vas-y. Je dois voir deux ou trois choses avec Judy. Comment ça se présente, Monsieur V? L'enregistrement qu'Evelyn a fait au Konpeki, ça valait le détour. Fantastique. T-Bug m'a appelé. Elle fait travailler ses doigts de fée. Et le Flathead? Rien encore. Mais je m'en occupe. T-Bug dit qu'on n'a aucune chance de voler la puce sans ce bot. Alors au travail, Monsieur V. Et elle cause encore de son histoire de banque. Blablabla. Bla, bla. Et moi, pendant ce temps, j'essaie d'en...